Salut à tous, c'est Tony. Donc là, j'ai décidé pendant les vacances de faire une vidéo. Donc tu vois, aujourd'hui on est le 29 du 7, on a actuellement 707 sur la chaîne. Je cache le nom parce que je trouve qu'on s'en fiche du nombre d'abonnés. Donc on est 707. Au début de la semaine, je pense qu'on était 650. Donc tu vois, j'ai gagné 57 abonnés sur 650, ça fait presque 10%. C'est pas trop mal hein, pour un mois de juillet où c'est très très calme normalement les vidéos. Donc là, tu vois, on est. Du coup, je vais te montrer quelques choses. 2-3 bricoles, hein. Si tu as une chaîne, tu sais ce que c'est. Donc là, c'est les paramètres de la communauté. Actuellement, j'ai qu'un seul utilisateur masqué, bloqué, c'est lui. Donc je dirais pas son nom. C'est pas Polnareff, c'est pas Sardou, c'est pas un autre. Lui, c'est un vilain petit grossier personnage qui sait juste dire des gros mots et m'insulter. Donc c'est pour ça qu'il est masqué et je ne l'entends plus. Donc tu vois, j'ai aucun mot bloqué. J'autorise tous les commentaires. Commentaires sur votre chaîne, j'ai désactivé les commentaires parce qu'on s'en fichait. Remerciements, j'ai autorisé les remerciements. Et messages dans le chat, soumettre à examen les messages potentiellement inappropriés. Je ne peux pas faire de chat en direct. Et ça, je vais vous montrer pourquoi. Ça, regarde, quand je viens sur ma chaîne, voilà, état du compte, tac, tu vois. Je suis partenaire validé. Donc, tu vois, actuellement, je n'ai pas de monétisation. Je peux mettre en ligne des vidéos privées non répertoriées, des miniatures, tac tac. Il y a juste ça que je ne peux pas faire. Diffusion, vous n'êtes plus autorisé à diffuser en direct à cause de ça. État du compte en matière de règlement et je vais vous montrer pourquoi. Non-respect des règles concernant le harcèlement et l'intimidation de YouTube. Donc certains comprendront pourquoi. Donc j'ai pas besoin de te faire un dessin, tu comprendras pourquoi je suis bloqué au niveau du chat en direct. Sinon en fait je ferai des lives beaucoup plus souvent parce que c'est beaucoup plus facile à faire des lives. Et donc l'expiration commencera ça expire cet avertissement le 15 août. Donc au fait tu peux avoir plein d'avertissements, tu peux avoir un avertissement. Donc tu vois pour le moment je suis assez calme alors que tu vois j'ai déjà une grande gamelle comme on dit dans le nord. Donc c'est-à-dire qu'à partir du 16 août, c'est reparti pour un tour, on va, s'il faut rebalancer sur certains, j'irai franco, il n'y a pas de souci, vu que j'aurai plus d'avertissement, je me remangerai un avertissement et je me recalmerai pour 3 mois. Donc voilà. Donc c'est tout. Donc tu sais maintenant pourquoi je ne peux pas faire de live à cause de cet avertissement-là. La monétisation, c'est pas en cours, regarde. Tu vois, je n'ai pas assez d'heures de visionnage. Bon, ça va vite passer. On est actuellement là, il faut 4000 et là on est 707 et on faut 1000. Donc après ça, je vous consulterai. Je sais pas comment je vais faire pour cette histoire parce que je veux pas les revenus, je veux pas les intégrer dans mon entreprise, ça m'intéresse pas. Donc je sais pas si vous avez des idées. Parce que moi, tous ces revenus là, au fait, je veux pas les garder pour moi, je veux pas les utiliser pour acheter du matériel, je veux pas m'acheter un camion, je vais pas m'acheter un slip, j'irai chercher des frites peut-être avec, mais on s'en fiche. Ou peut-être des sardines, vu que je suis portugais. Donc, si vous avez une idée sur ça, sur comment récupérer les sous de façon honnête, et pour les filer, je sais pas, à des apprentis ou à des gens qui méritent, quoi. Tout simplement. Donc, mettez-le moi en commentaire. Donc, après, état et fonctionnalité. Donc, là, ça, on l'a vu. Paramètres par défaut, ça, c'est bon. Donc, comme vous avez remarqué, j'ai supprimé les avis, vous pouvez plus voir les avis des vidéos. Donc tout simplement, ça c'est les analytiques. Donc depuis que j'ai supprimé les avis et le nombre d'abonnés, j'ai eu plus de commentaires négatifs. Négatifs plutôt, les commentaires. Mais bon, après au final, on s'en fiche. Rapport, tu vois, sur les revenus, bah, j'ai pas de revenus. Sur les annonces, tu vois, il y a plein de trucs. Hein. Franchement, fidélisation de l'audience. Données démographiques. Tu vois, c'est surtout des hommes de 18-54 ans. Ouais, il y a quand même des femmes à 25-35. Et des. Comment dire? Non, des quadras. Comment on appelle une femme qui reste à la maison? La ménagère qui a la quarantaine. Donc tu vois, c'est là. C'est ça aussi. Donc ça c'est l'âge des spectateurs, on s'en fiche, tu vois, moi tout ça c'est que des statistiques, j'en ai rien à cirer le coquillage. Durée de visionnage, tu vois, c'est pour tout te montrer. Source de trafic. Source de trafic, c'est pas trop trop mal, ça te dit, tu vois, recherche YouTube, notification, page de la chaîne.
Tu vois, tu sais d'où vient le trafic. Bon, après, au final, on s'en fiche. Appareil, c'est bien. Tu vois, j'ai 50%, c'est des mobiles et des ordinateurs. Donc, c'est pour ça que tu vois, j'ai beaucoup eu de remarques sur le son. Parce que sur mobile, le son n'est pas terrible quand tu écoutes le son. Et sur quand je filmais comme en portrait ou le paysage, tu vois, c'est pour surtout pour les utilisateurs d'ordinateur. Parce que tu vois, tu peux pas prendre ton écran comme ça et faire sur ton ordi que sur la tablette. On arrive à bricoler. Donc voilà. Utilisateur, ça c'est pour les petits haters, tu vois, ça te fait plaisir. Donc j'aime pas. Oh, tu vois, on a quand même pas mal augmenté les j'aime pas, hein, mais bon, au final je m'en fiche. Donc comme ça tu le sais, tu vois, il y en a 16 sur 300, ça fait 5%. Tu vois, on est passé de 1,2 à 5%. Bon, c'est pas grave. C'est la vie, hein. C'est comme ils se reproduisent comme les lapins, tu vois, ils font tac-tac et pouf, il y en a deux. Généralement, je vais pas te mentir. Ah, bah après, je te mettrai les vidéos, on verra ensemble et tu vas bien rigoler. Bon, voilà, tu vois, on a fait un peu le tour. Traduction, créer vos contributions. Tu vois, hop, les contributions, tu vois, c'est comme en. Contribuer. Normalement, j'ai des contributions. Voilà, donc voilà, on a presque fait tout le tour. Donc là, je reviens. Hop, gestionnaire des vidéos. Attends, analytique. Analytique, analytique. Là. Sur les vidéos. Ah, c'est pas le même YouTube sur le PC que sur l'autre. Ah, fait chier. C'est chiant, ça. Et donc, tu vois, là, on se rend compte des. Ici, sur la gauche, tu peux voir les j'aime pas. Et donc, tu vois, alors, mon avis, mon avis, mon avis. Je pense que tu vois, au fait, au final, tu arrives à faire du profilage et savoir qui aime pas tes vidéos. Donc, tu vois, mon avis sur le label RGE, j'ai qu'un j'aime pas, donc tu vois, je m'en fiche. Méthode de vidange rapide, j'en ai deux, donc tu vois, je m'en fiche. Tu vois ce que je pense des devis gratuits? Il y en a six qui m'ont dit qu'ils aimaient pas. Donc, ça, les six, je suis presque sûr que c'est des particuliers. Ça les fait, ça veut dire que ça leur fait chier de payer un truc. Les quatre, tu vois, qui disent que j'aime pas ce que je pense des clients qui demandent 10 devis. Bah c'est certainement justement ce genre de client qui demande 10 devis. Tu vois, regarde sur un petit truc, comment rendre ton installation propre. Tu vois, j'ai qu'un j'aime pas. Alors que bon, on va comparer au nombre de vues. Tu vois, là j'ai 350, 400. Tu vois, c'est pas proportionnel. Donc tu vois, tuto café qui fait chaud, c'est une vidéo où j'ai fait des conneries. Tu vois, il n'y a que deux j'aime pas. Donc là on continue. Les profiteurs des travaux, bah, les deux j'aime pas, je pense que c'est justement ceux qui profitent des travaux. Mais bon, comme d'hab, il n'y a personne qui dit pourquoi ils n'aiment pas. Tu vois, là d'ailleurs, les six j'aime pas de ce que je pense des devis gratuits, ça serait sympa de répondre à la question. Hein. Mais bon, c'est plus facile de cliquer. Hein. Après, peut-être vous savez pas, ça c'est j'aime. Et ça c'est j'aime pas. Donc voilà, tu vois, Cookie Nespresso, j'ai trois j'aime pas. Bon bah c'est tout, c'est pas la fin du monde. Bon, 4. Donc tu verras qu'on tourne. Généralement, on oscille entre 200 et 300 vues hein, sur les vidéos. Il y a beaucoup de vues le premier jour. D'ailleurs, je vous remercie tous. Après, je comprends, tu vois, il y a des vidéos clapées en tire-tour. La vidéo 4 sur 5, si ça, si t'as pas de problème de plomberie chez toi, si ça t'intéresse pas, bah, tu la regardes pas. Hein, c'est pas. T'es pas là pour regarder toutes les vidéos. Tu vois, quand je galère à mettre un clapet en tire-tour, on s'en fiche. Hein, toi, si t'as compris le principe du truc. Bon, après, tu vois, ça, c'est des vidéos où j'explique le dépannage le dimanche. Donc, tu vois, il y a des mecs qui aiment pas les dépannages le dimanche. Bon, bah. Si t'es en panne, tu me laisseras ton petit nom, comme ça je viendrai pas venir chez toi et je dirai à mes collègues de pas venir chez toi de dépanner le dimanche. Tu vois la vidéo, j'ai supprimé les avis, on a 7 j'aime pas. Bon bah j'ai eu un ou deux qui sont venus me dire pourquoi. Et c'est tout. Donc après tu vois. Alors ce qu'il faut savoir, les vidéos qui marchent tout le temps, c'est les vidéos cadeaux abonnés. Et les vidéos concours. Alors là, je te sors une vidéo, je te mets une majuscule concours. Je mets Festool. Là, je vais péter les 1000 ou 2000 vues dans la journée. Même si je te donne juste, on va dire que je vais faire de la publicité mensongère, c'est-à-dire que je vais te donner juste un. On va faire un concours Festool et je vais te donner un autocollant qui file gratos dans les machines quand tu les achètes. Les gens, ils vont voir Festool, ils vont tous cliquer dessus, ça va générer du vues et du cash pour ceux qui monétisent la chaîne. Moi, j'en ai rien à péter de la monétisation, donc bon. Tu vois, l'autre jour, là, la vidéo cadeau abonné, pouf, tu vois, j'ai cliqué dessus. Hop, hop. Tu vois, je l'ai rangé dans le concours. Si tu as des idées de jeux concours, tu m'en fais part. Et du coup, tu vois, moi, j'essaie. Actuellement, je vais essayer de récupérer tous les trucs gratuits de ma boîte
pour les mettre en concours. Tu vois, là, ça, c'était des outils des maîtres Bernard. Je dois en avoir 4. Ils sont tellement indestructibles que, tu vois, j'arrive pas à les... Excuse-moi, j'ai rien sur la notification. Les maîtres Bernard, j'arrive pas... Je les use pas, donc, tu vois, là c'était une opération. Tu vois, j'ai acheté pour 150 balles. J'avais le droit à 150 balles d'outillage gratuit. Ben, je me suis dit, un maître, ça sert toujours à quelqu'un. Et là, c'est des beaux maîtres. Bon, le maître de 3 mètres, franchement, si tu le gagnes... T'as pas de chance. C'est pour pas être méchant, mais t'as pas de chance si tu le gagneras. Mais si tu gagnes celui de 5 mètres, c'est nickel. Les deux clés à molette, elles sont géniales. D'ailleurs, mon frère, il les a vues, je pense qu'il en est un peu dessus. Et voilà. Donc, d'ailleurs, je sais même pas si les clés à molette, franchement, je préférerais plutôt les filer à un apprenti, parce que donner des belles clés à molette comme ça à un mec qui va aller, je sais pas, bon, il va aller bricoler sa bagnole, c'est dommage. C'est des super clés pour plomber, donc ça me ferait plus plaisir de défiler à un plombier qui a pas trop de thunes, ou un petit apprenti. Hein. Parce que moi, je me souviens, quand j'ai commencé, mon père, il m'avait acheté une clé Facom. D'ailleurs, je l'ai encore dans le camion. Et j'étais le roi du monde avec ma clé Facom. Elle était tout le temps dans ma poche, elle sortait jamais de la caisse. Le matin, je sortais ma caisse, je la mettais direct dans ma poche, tellement j'étais fier d'avoir une Facom. Donc voilà, donc tu vois, là, on a fait un peu le tour des vidéos, il y en a plein. Si tu veux, tu regardes, si tu veux pas, tu regardes pas. Il n'y a rien qui t'oblige. Et donc voilà. Donc ça, c'était pour faire un petit peu sur les avancées. Donc si tu as suivi la vidéo jusque maintenant 11 minutes, faut que tu saches qu'à partir de 10 minutes, on peut mettre une pub dans les vidéos. Donc moi, bah, là, pour le moment, il n'y a pas de pub. Et je pense pas que je mettrai de pub pour le moment. Donc comme ça, tu le sais. Donc tu vois, là, je t'ai montré plein de vidéos. On a tout fouillé. Du coup, tu vois, je t'ai rien caché. Tu as le nombre d'abonnés, le nombre de vues. Les statistiques, tac tac, tu vois, là je viens de recevoir des notifications il y a 2 minutes, il y a 1 minute, c'est tout, on s'en fiche, j'y répondrai tout à l'heure. Donc il faut savoir que je reçois beaucoup de trucs, j'essaie de répondre à tout le monde. D'ailleurs j'ai pensé à quelque chose, mais c'est pas possible je pense. Ça m'intéresse pas d'avoir 50 000 abonnés, c'est pour ça que je cache d'ailleurs le nombre. Franchement je préfère avoir 1000 abonnés, que tout le monde regarde des vidéos, apprenne et tout. Et s'il y a une possibilité de bloquer le nombre d'abonnés, moi ça me ferait super plaisir. Parce que je préfère filer des conseils à des bons abonnés qu'avoir, je sais pas moi, 50 000 abonnés et 25 000 rageux qui vont te mettre des j'aime, des pouces comme ça, des ta gueule, des FDP, des frais de port, etc., etc. Je trouve ça complètement inutile. Donc vaut mieux faire un petit peu et bien que beaucoup et de la merde. Ça c'est plus mon leitmotiv dans la vie tout le temps en fait. Donc s'il y a une façon de bloquer les abonnés, enfin de bloquer le nombre pour pas que la chaîne augmente, que je puisse toujours répondre à tout le monde, ça serait bien, parce que si on augmente trop le nombre, bah proportionnellement mon temps est pas compressible et je peux pas l'allonger, donc proportionnellement ça veut dire que j'aurai des réponses de moins bonne qualité ou je répondrai pas à tout le monde, et je trouve ça dommage de... Là, j'essaie tout le temps, je réponds tout le temps à tout le monde, je mets tout le temps un pouce, un cœur à chacun qui met le cœur, d'ailleurs on s'en fiche, et le pouce aussi, mais tu vois, pour que tout le monde sache que j'ai lu le message, et je réponds à tout le monde pour savoir que je l'ai lu en entier, et que j'apporte une réponse à la question, ou même si c'est une connerie, il me dit, je sais pas, comment dire, il y en a un, quand je fais une vidéo Nespresso, il me dit, moi je préfère Senseo, bah je vais pas lui mettre un pouce, je lui dis, ouais, bah c'est bien, t'as de la chance de boire du Senseo, tu vois, pour que ce soit personnalisé. Donc je vais essayer de garder ce truc tant que possible, donc voilà. Tiens, là d'ailleurs, tu vois, ça c'est une salle de bain que j'avais réalisée chez mon frère, avec des cornières en alu, ça c'est une frise, elle se suit avec des coupes de fou, franchement, une belle salle de bain. En main d'œuvre, ça a bien, on a bien galéré niveau manœuvre, et coupes et tout, mais au final, tu vois, bon, après ça vieillit, hein, c'est le genre de choses, ça vieillit, dès que tu fais beau et original, ça vieillit très très mal, faut le savoir. Donc tu vois, ça a 7 ans, dans 3 ans, c'est démodé, c'est vraiment démodé. Là, ça passe encore, mais ça peut être très vite démodé. Donc, il y avait ça, et je pense que là, pour le moment, c'est tout. Donc, ce que je vais faire, ça va être une espèce de... comment dire, ça, c'est une vidéo sur laquelle on a dit... où je vous ai tout montré. Maintenant, ce que je vais faire... je vais refaire une vidéo juste derrière, une vidéo foire aux questions, pendant le mois d'août, parce que pendant le mois d'août, j'ai pas publié beaucoup. Comment t'es marqué là, et si t'as d'autres si tu veux savoir des choses, et ben tu me le diras. Donc voilà, salut à tous, c'était Tony.